Vous souvenez-vous de ce très vieux design du Secure Portefeuille des commis? Les images d'illustration présentaient CryptoKitty et MLB Champion. Quels sont vos souvenirs préférés de BV? Saviez-vous qu'en début de mois, un bug de la Search Bar a révélé plus d'une centaine de comics Marvel? Parmi eux se trouve le très attendu Captain America numéro 1. Fro et Commis suggèrent à VV d'organiser des tirages au sort avec un cadeau à la clé, où l'entrée se ferait avec des points MCP. Seriez-vous intéressé par ce type d'événement? Un récent sondage confirme que les mints sont importants aux yeux des collectionneurs. Et vous, avez-vous des mints que vous aimez particulièrement? Au sujet du airdrop STRK, nous n'avons pas encore de calendrier définitif, mais les utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs de VV pourront faire des réclamations de manière indépendante, tandis que les utilisateurs de VV pourront faire des réclamations par leur intermédiaire. Saviez-vous que CoinGecko possède une API VV pour suivre précisément l'évolution du prix de l'OMI, contrairement à CoinMarketCap? Une théorie circule parmi la communauté VV selon laquelle nous pourrions obtenir un collectible musique K-pop d'un groupe célèbre grâce à Coca-Cola et son tout nouveau projet. Le supply des nouveaux drops continue de diminuer, ce qui agace certaines personnes. D'un autre côté, certains considèrent que c'est une adaptation normale du marché pour répondre à la demande. Saviez-vous que le nouveau secteur musique de VV est un marché énorme? Selon les prévisions, il y aura 601 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Spotify dans le monde en 2024, dont environ 254 millions d'abonnés premium. Notre fudder invétéré, Squirrel, attend 1x20 du floor prix pour quitter VV. C'est toujours intéressant de voir les objectifs de sortie des utilisateurs pour leurs objets de collection. VV annonce l'arrivée d'un nouvel éditeur de comics bien connu dans les mois à venir. Quel pourrait être ce nouveau partenariat? Le saviez-vous? Des chansons en édition limitée des personnages de Delusionville sortiront régulièrement jusqu'à ce qu'il soit possible de compléter un album.